Talks about some things that aren't pretty common in public knowledge, and that affects me directly because one day I may be called a terrorist for the things I've written. We talked earlier about Patton. Most people know who General Patton is. General Smedley Butler was a man who is recognized as being the most decorated general in U.S. history up until 1932-33, where he'd been retired. He was asked by the House of Morgan to lead a coup on Washington. He went forward to the government and told them, and he established a commission and investigated. The New York Times put a full-page ad ridiculing Smedley Butler for his activities and his accusations. The commission, which is on record, found that his accusations were true. And the story was buried, and many weeks later, on page 22 in small font, they admitted to this. But his history is all but forgotten, yet everyone remembers the guy who rode in that tank at the end of World War II. But this is the man who actually stopped fascism from entering North America. Merci. Rome had two phases, a republic and an empire. In the phase of the republic, the Roman Senate created money and invested it in all the beauties that you see in Rome today, the infrastructures and so forth. They put the people to work and it created wealth beyond imagined in that time. This is our history with money. Today, Bank of Canada, it's the same situation. Up until 1974, we had the same thing going on, and that's why we were able to create the infrastructure in Canada, fight a World War II, have a large navy, and in 1974, only $3 billion worth of debt. Today, our debt stands at $617 billion and growing. We are now a debt population. So remember these things with history and put it in perspective with what Bill C-51 is about and what's happening here. Thank you very much. Wow, vous êtes hyper patient. On a à peu près 3 minutes qui restent. Donc, la prochaine personne qui s'en vient parler, M. Fred Blow de Greenpeace. Bonjour tout le monde. Pour moi, Greenpeace, c'était super important d'être ici. On le sait, ce projet de loi-là, il veut vraiment aller à l'encontre de toute manifestation pacifique, criminaliser les gens qui vont vouloir se mobiliser ensemble. Donc pour nous, c'est important d'être ici. Comme la plupart de vous, vous savez, à Greenpeace, on utilise l'action directe non violente, la désobéissance civile. C'est pas nous qui avons inventé ça. On a trouvé que c'était des outils très importants pour aller chercher des victoires. Ça a fonctionné dans avec les luttes sociales aussi, avec d'autres batailles. C'est important de continuer, c'est important de se battre pour garder ce droit-là de manifester dans la rue. On voit M. Harper veut créer un climat de peur, il veut diviser la population pour faire passer ses projets de pipeline, pour faire passer son agenda qu'on peut appeler pétrolier. Donc pour nous, c'est important d'être ici, c'est important de se mobiliser, puis de continuer à se battre ensemble pour le bien commun, pour être sûr qu'on continue à faire peur au gouvernement Harper. Et en dernier, mais non le moindre avec quelques mots, le chef du PCQ, M. Pierre Fontaine. Merci. Je prends pas de chance, on va rester à votre niveau. Alors, le Parti communiste du Québec, une section du Parti communiste du Canada. Mon nom est Pierre Fontaine. Bonjour, chers amis. Merci d'être venus manifester en grand nombre aujourd'hui pour la démocratie au Canada. C'est exactement ce que remet sérieusement en question ce projet de loi. C-51 vise à transformer le SCRS en une police secrète d'État qui va disposer de pouvoirs presque illimités d'enquête, de recherche, d'intrusion et même de détention, et ce, sans que des accusations soient portées véritablement et sans contrôle judiciaire. C-51 aura aussi pour effet d'établir une présomption de culpabilité et de refuser aux personnes accusées l'accès à la preuve et à une défense plénirentiaire. Ça va donner le pouvoir de criminaliser la dissidence publique, les grèves légales, les protestations des mouvements autochtones, les mouvements environnementaux, qui seraient considérés menacer l'économie ou la prospérité du Canada. C'est exactement le but. C-51 va attribuer au SCRS un pouvoir de perturbation extrêmement large, unique dans toutes les démocraties occidentales, qui
n'aura comme seule limite de ne pas causer la mort ou des lésions corporelles ou porter atteinte à l'intégrité physique d'un individu. C'est extrêmement grave. Et ça, c'est le devoir qui dit ça ce matin, après enquête. Selon les spécialistes, ça va même permettre au SCRS de procéder à des détentions secrètes ici et à l'étranger. Alors, c'est extrêmement inquiétant. Vous savez, notre parti, on parlait d'histoire, notre parti a une longue histoire de répression qu'on a subie au Canada. En fait, on a été fondé en 1921, et dès le début des années 30, le parti a été interdit, tous ses dirigeants arrêtés, et condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement pour avoir fait signer une pétition pour réclamer un régime d'assurance chômage. Et éventuellement, on a gagné cette bataille-là parce que il y a eu un régime d'assurance chômage et ça s'est produit quand les conservateurs ont été battus aux élections. On va espérer que ça va se reproduire prochainement. La loi qui nous avait servi pour nous mettre illégal, la section 98 du Code criminel, a été abrogée en 1936. Mais ça n'a pas arrêté, ouais. Il y a eu la loi du cadenas adoptée au Québec en 1937 par Maurice Duplessy, qui a duré 20 ans. La Cour suprême l'a déclaré inconstitutionnel en 1957. Alors on voit que les procédures légales, ça peut être long. Si on suit là-dessus, on est bien mieux de se mobiliser pour empêcher que ce soit adopté. Que ce soit rejeté, excusez-moi. Alors la loi du cadenas interdisait la propagation du communisme et du bolchevisme. Et le premier ministre, qui était le procureur général, pouvait ordonner la fermeture de maisons, ordonner la destruction de publications et accuser des personnes qui protestaient ou exerçaient le droit à la dissidence. On a vu des syndicalistes comme Madeleine Parent, par exemple, être emprisonnés pour ces raisons-là. Après la Deuxième Guerre mondiale, la GRC a mis sur pied un programme de surveillance de tout ce qui grouillait et qui militait. Et ça s'appelait PROFOND. C'est un acronyme pour Prominent Functionaries of the Communist Party. En fait, tout ce qui protestait était plus ou moins lié au communisme. Il y avait un ennemi extérieur, c'est toujours le même topo, c'était l'URSS, et donc pour justifier la répression de la dissidence interne. Il y a eu environ 12 000 personnes qui ont été listées dans ce programme-là, et éventuellement, la liste a probablement été transférée au LCRS, mais quand il y a eu, suite aux commissions d'enquête sur les gestes illégaux de la GRC, on a créé le CRS en 1984 et officiellement le programme aurait été fermé. Mais en octobre 70, durant la crise d'octobre ici au Québec, des centaines de personnes qui ont été arrêtées sans jamais avoir aucun rapport avec le FQ, eh bien, c'était en fonction de la liste profonde. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que le gouvernement cherche à réprimer la dissidence dans notre pays. Alors, pourquoi ces 51? Comme ça a été dit par d'autres orateurs précédemment, les lois actuelles suffisent largement pour éventer d'éventuels complots soi-disant djihadistes. Et on peut voir régulièrement, encore dernièrement, il y a eu des gens qui ont fait, ça a fait les nouvelles, où on a vu que des gens étaient arrêtés soi-disant pour ce genre de complot-là. À quoi donc va servir sinon que de réprimer exactement ce qu'on craint? Et quand on écoute le ministre Blainé, qu'est-ce qu'il dit? Bah, c'est vrai, c'est large, mais chez nous, à nous, on ne va pas trop l'utiliser, finalement, on va se contenter juste de réprimer les complots terroristes. Bullshit, je ne sais pas si vous pouvez faire confiance, mais nous autres, notre histoire nous prouve qu'il ne faut pas tellement nous faire confiance. Alors non, ces 51 ne doivent pas passer. Il faut empêcher ça. Et pour la sauvegarde de la démocratie, on doit exiger que tous les députés de la Chambre des communes votent contre l'adoption du projet de loi. C'est une nécessité. Et on doit exiger aussi les partis d'opposition qu'ils s'engagent à abroger la loi si l'aventure était adoptée. On exhorte tous les mouvements syndicaux, environnementaux, autochtones, étudiants, de solidarité internationale pour la paix, pour la défense de la démocratie, des droits et libertés, de se joindre à notre mouvement parce que c'est unis et solidaires et ensemble qu'on pourra empêcher l'adoption de ça. Unis et solidaires, nous vainquons. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, oui, ça conclut la fin. On va vous inviter à l'Assemblée, le premier officiel Assemblée générale sur un événement sur Facebook à partir de la page de OPC 51.
Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés à s'impliquer un peu plus loin, on vous invite bien sûr à vous inscrire. Vous allez voir ça sur, bien sûr, passer dans vos réseaux sociaux. On va aussi vous offrir un petit cours de sécurité opérationnelle via Internet, considérant que C51 s'en vient nous envahir. On s'est dit, pourquoi pas vous offrir des outils qui vont vous permettre d'avoir une petite vie privée. Encore une fois, ça sera annoncé directement de la page. Je vous remercie tous d'être venus. Je sais qu'il en reste juste 50, mais quand même, vous êtes persistants. Je vous attends à l'Assemblée. Thank you all for being here today. This concludes the end of our first march, not the last. We will be putting sign-ups online for anybody that wants to come to our General Assembly, our first General Assembly, and get implicated a bit deeper. We also will be offering sign-up to operational security online. So if anybody's interested, again, when you see that, don't hesitate, drop your name and email. We will get back to you. Restez à l'écoute, ce n'est pas fini.